Ne vous mettre. Ne vous mettre. Je vous fais mon mea culpa tout de suite. Je n'avais jamais joué à Animal Crossing. J'avais téléchargé l'application sur le mobile. J'ai dû jouer une seule fois, ouvrir, jouer, fini. Ça ne m'avait absolument pas intéressé. Mais là, on m'a dit, Kiro, il faut vraiment que tu joues. Franchement, tu vas y passer des heures, ça va être trop bien. Et comme je suis une personne un petit peu faible de ce niveau-là, j'ai acheté Animal Crossing. Voilà. Donc bien sûr, en tant que newbie total sur ce jeu, ce que je vais dire ne concerne absolument que moi. Bien évidemment. On m'avait vendu ça comme un truc trop mignon, il y a plein de choses à faire. Tu peux passer des heures à pêcher, à ramasser des fruits, à construire des meubles, à mettre ta maison toute jolie, etc. On ne m'avait pas dit que c'était le jeu du diable. Commençons par Tom Nook. Tom Nook, gros industriel, hein, visiblement, parce que ça brasse de la thune, mais oui! Déjà, il faut savoir que Tom Nook, c'est un tanuki, ou un raton laveur en France, mais un tanuki au Japon, l'origine de ce jeu. Et c'est reconnu comme un animal cupide. Il veut des sous. Donc déjà, on part pas sur un truc folichon. Dès le départ, on te dit « Oui, bienvenue, nanani, on t'attendait. » C'est quel genre de secte? Je ne m'étais pas annoncée. Tu m'attendais mais tu connaissais pas mon prénom? Après avoir choisi ton nom, t'être présenté, tout ça, on te dit voilà, ça va être une expérience île déserte, il y a tout à construire, tu te dis frère, tu arrives sur l'île, on te dit que t'as un putain de prêt à rembourser. Pardon, c'est un jeu pour les enfants normalement. Ça fait peur un peu. Donc t'es là, toi t'avais signé au départ visiblement un contrat, mais on te le fait pas lire. Non mais quitte à être premier degré, hein. On te fait pas lire de contrat, on te fait en gros signer machin. Pas vraiment signer en soi, parce que voilà, mais il y a un accord qui est passé et tu ne sais pas que tu dois rembourser un prêt. Expérience île déserte. Je me suis dit, bon, à la rigueur, oui, que tu aies à payer l'expérience comme un voyage ou que sais-je. Ok. Mais qu'en fait, le but du jeu soit tout le temps de rembourser des prêts. Sinon, bah, tu restes dans une tente et tu te fais chier et tu ne peux pas avancer dans le jeu. Tu vas devoir contracter des prêts et des prêts et des prêts et des prêts. Pardon, Tom Nook là qui nous fait « Ah, il est tout mignon, il est tout gentil. » Ne vous méprenez pas. On est dans une putain de secte et si ce n'est ça, un putain de système capitaliste. C'est donc ça qu'on apprend aux enfants, parce que bon, bien sûr, vu que c'est un jeu très ancien de base, il y a des trentenaires comme moi qui y jouent. Donc nous, on sait, on est déjà là-dedans. Mais les enfants, là, de 7-8 ans, ils sont en train de lire « Ah, trop bien !» On leur dit, en fait, si tu veux quelque chose dans la vie, on va leur faire des prêts. Quel genre de bail derrière? Et il faut savoir que du coup, sur cette île qui est censée être déserte, tout est payant. Ce n'est pas les habitants hein, qui ont mis en place un système de paiement ou de troc ou que sais-je, qui serait somme toute normal en fin de compte, puisque on vient de base d'une société où il y a des transferts d'argent, etc. Tu veux voyager, tu payes en miles. De toute façon, il y a un système aussi de miles qui est une sorte d'autre monnaie, même si je pense que ça s'apparente aux miles qu'il peut y avoir dans les compagnies aériennes, etc. Tout est payant. On te fait miroiter que c'est tranquille! Seulement 98 000 petites clochettes! Le choix du nom de la monnaie est très important. Des clochettes, gling gling gling, on est content! Mais c'est pour nous la mettre bien profond ensuite, hein! Parce que les clochettes, c'est pas facile à récolter, punaise! Il va falloir pêcher, il va falloir cueillir, il va falloir... T'étais pas censé venir faire expérience île déserte, mais normalement... Expérience île déserte, t'es solo en fait. T'es solo dans l'affaire où vous êtes deux ou une petite communauté. Mais là, on te crée des besoins et en plus, bah, c'est un truc purement capitaliste. Il y a aucune évasion en fait dans l'affaire. Parce que si tu chilles toute la journée, bon, tu peux, hein, tu restes dans ta tente et tu fais air, mais au bout d'un moment, tu vrilles. Donc, t'es obligé de bosser pour ce Tom Nook. Tom Nook qui, soit dit en passant, est l'allégorie personnifiée
Je pense que je fais un pléonasme moi, sur celle-là, mais bon, bref. Du bourgeois de base, gros bide, que pépouce, qui est tranquille. En plus, le type est clairement au-dessus, ça se voit, il fait genre, si tu as besoin de moi, n'hésite pas, je veux pas te forcer, surtout sur le prêt, mais j'adore l'immobilier. Il est extrêmement chelou, et quand il fait pas semblant de lire un bouquin, il picole toute la journée, des grosses binouzes. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il en propose une? Non, déjà, mais le type est alcoolisé H24. Les yeux à demi fermés, là, tout le temps. Tu crois qu'on n'a pas grillé? Puis dès que tu rentres, il fait... Il est content. Moi, je n'ai pas confiance en ce type-là. Parlons de Mélie et Mélo. Déjà, toute la clique, ils ont des masques. Oui, je sais que c'est les tanuki. Oui, je sais que c'est les ratons laveurs. Mais ça ne fait pas penser au rapetou. Oui, j'ai des références assez anciennes. Et alors? Hein? Bon, Mélie, d'où il tire toutes ses clochettes? Le gars, je lui ramène le truc le plus pété que j'ai pu trouver sur la plage. Et lui, il me donne des centaines, des milliers de clochettes. Vous voyez pas où je veux en venir, là? En fait, Tom Nook, clairement, a la main prise sur ce petit animal. Clairement, le type, lui, n'a pas de clochettes. Je suppose que c'est une espèce d'esclave, puisqu'il dit à des moments, « Oui, tu as bien appris en étant avec moi depuis toutes ces années. » Pardon? C'est extrêmement chelou. Le cas de Mélo est encore plus critique. Clairement, il est pris pour un con. Mélo, c'est toute la journée, hors de la tente, son petit drapeau, il a l'air d'un con. Et le soir, il a le droit à un petit coussin posé par terre. C'est tout. On sent bien que Mélo est un peu limité. Il te dit, oui, le bois, ça pousse dans les arbres. Il n'est aucune utilité, mais on sent bien que... Ils doivent quelque chose à Tom Nook. Faites pas les aveugles. Il faut les sauver. Vraiment. D'un côté, je comprends l'engouement autour de ce jeu parce que chaque personne a une version un peu différente. Des fruits différents, des habitants différents. C'est vrai que ça donne envie, mais ça crée un besoin aussi. Moi, personnellement, hein, quand j'ai acheté la Switch, moi, je la vois pas du tout comme une console de salon. Hein. Je joue toute seule. Qu'est-ce que ça me fait chier de me dire qu'à un moment donné, je vais devoir aller sur les îles d'autres gens pour aller trouver d'autres fruits, etc. Oui, je vais le faire parce que j'ai de très bons amis qui jouent à Animal Crossing. Mais de base, moi, j'aime jouer toute seule. C'est pour ça que je joue à Pokémon. Parce que t'es tout seul face à ton truc. Mais là, ça te crée des besoins. Et en plus, c'est en temps réel par rapport à ta propre vie. Si tu joues de jour, c'est la journée de la même heure. Et si tu joues la nuit, pareil. Il y a des gens qui avancent la date sur la Switch pour pouvoir avancer plus vite. Je vous méprise. Ça, c'est dit. Du coup, il va vraiment falloir jouer, pas forcément extrêmement longtemps, hein, mais au moins tous les jours si vous voulez voir votre jeu avancer. Les constructions de bâtiments, votre maison, votre prêt, bien évidemment, qui, j'ai oublié de le dire, augmente à chaque fois. Là, j'en suis à 2 fois 98 000 clochettes, le prochain c'est 198 000, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est déprimant. On était censé ne rien faire sur cette île en soi. Enfin, je veux dire, moi, l'expérience de île déserte, etc., c'est trouver des fruits, manger, essayer de s'évader. Mais là, non, c'est définitif. Tu vis sur cette île, t'as des prêts à rembourser, t'es loin de ta famille, tout le monde s'en fout. Genre, il n'y a personne qui s'est alerté. Il n'y a pas une police d'Animal Crossing parce que là, Tom Nook, il n'est pas dans les règles. C'est un putain de gourou. D'ailleurs, il y a Rich Hamtower qui travaille pour Nintendo qui a dit « C'est le premier patron que vous aurez. » Est-ce que c'est normal pour un jeu destiné à des enfants? Je ne crois pas. Pour ma part, j'estime qu'il devait être vendu à des gens plus âgés qui sont conscients que c'est un jeu. Maintenant, on aura beau dire ce qu'on veut, oui, les jeux vidéo peuvent influencer. D'une certaine manière, je dis pas que c'est parce qu'on joue à des jeux violents qu'on va devenir quelqu'un de violent, non. Mais ça peut façonner une facette de notre vision du monde, et je me dis, bah, il y a des enfants, enfin, moi, je sais que petite, j'avais pas forcément une valeur de l'argent. Je me disais, bah, si t'as plus d'argent, tu peux aller en prendre à la banque. Avant qu'on m'explique, je ne faisais que regarder ce qui se passait et me dire, bon, bah, c'est bon, quand t'as plus d'argent, bah, sinon tu fais un chèque ou tu payes avec ta carte. Je me dis, c'est un peu bizarre de lancer des enfants dans un jeu pareil. Après, voilà, on n'a rien à faire en ce moment. On est à fond sur Animal Crossing, moi la première. Mais c'est vrai que je le recommanderais pas pour des plus jeunes. Petit bonus, dans ma version,
J'ai eu Chavrina. Qui est Chavrina? Une petite chèvre rouge. Ça ne vous rappelle rien? Le diable, la couleur rouge, etc. Et en plus de ça, mon deuxième habitant de base est un porc qui est visiblement décédé. Vert, il a des pansements sur la tête, tout ça. C'est extrêmement bizarre. J'ai eu la version la plus démoniaque, hein, je pense. Hein. Vraiment, méfiez-vous. Méfiez-vous, c'est pas Animal Crossing, c'est Sect Crossing. Vraiment. Voilà pour mon analyse premier degré à chaud. Je ne dis pas que mon sentiment va évoluer dans le positif ou le négatif. C'est vraiment ma manière de décortiquer les choses dans la vie de tous les jours. Et là, mais d'autant plus. Enfin, il y a tellement de choses à dire, je pense, sur Animal Crossing. Je verrai du coup quand j'aurai avancé sur le jeu, voir si je change d'avis ou pas. Mais dès le départ, je trouve ça extrêmement chelou. Sur ce, je vous laisse, j'ai un prêt à rembourser.